23 mètres cubes, c'est gros. Mais 15 mètres cubes, du coup, c'est un camion style super, quoi. Non, ça c'est la phase quasiment déterminante de la fabrication. La façon dont on traque le carré, c'est la taille, le diamètre des graines, c'est déterminant. T'as trois sortes de bactéries, avec de ferments. On va appeler ça des ferments. Oui. C'est plus facile. D'accord. T'as le lait. T'as ceux qui se développent à un milieu très froid. Sont responsables de la pourriture. Tous les corps morts, tous les cadavres, tous les psychrophiles. Autrement dit, si tu mets ton lait à moins 2 ou moins 3 degrés, ces bactéries elles prennent le dessus sur les autres. Ensuite, tu as des mésophiles. Alors, c'est des bactéries qui ont une activité, une vie microbienne active en psychro et les autres, c'est à peu près entre 2 et 6 degrés. Voilà. Dans ce créneau-là, tout le monde vient au second degré. Voilà, tu vois, ça s'équilibre, c'est-à-dire qu'il reste de la vie, forcément. On est à 35 degrés. 35 degrés, c'est la température à laquelle on fait gagner le lait. Et maintenant, je vais pousser la chauffe jusqu'à 40 degrés pour favoriser l'activité microbienne. Faites des bactéries, des ferments lactiques, et pour faire travailler des thermophiles qui vont donner au fromage une texture un peu souple aussi. Voilà. Là, je le petit lait. Tu n'oublies pas de garder. Qu'est-ce que tu vidanges là? J'enlève le petit lait du fromage. Mais tu en as beaucoup, tu en élimines beaucoup. Et bien, il y en a 90%. À ce point? Eh oui. Sur 10 litres de lait, on va garder 1 kg de fromage. Il reste. C'est une partie inutilisable. Tu peux le recycler, tu peux nourrir des cochons, tu peux. Ouais. Mais c'est économiquement pas rentable. Tu manges tout. Alors dis-moi, quelle est la qualité de ce produit-là, alimentaire? La qualité alimentaire, c'est très riche en ferments lactiques. Ça peut être très bon pour le transit intestinal, tu vois. Pour quelqu'un qui ne peut pas avoir un bébé, par exemple, qui a besoin de se refaire la flore intestinale. Si tu veux ça. Tous les avantages du lait, ça apporte du calcium, du magnésium, de la... sauf la matière protéique et la matière grasse. Donc, autrement dit, c'est. Voilà, c'est. Ça peut se boire, c'est agréable à boire, c'est.
Thank you.